Bon, Mickaël, félicitations pour ton trophée de meilleur joueur du mois de novembre de la LNH. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir été récompensé? Écoute, comme je le dis depuis quelques jours, c'est très plaisant. C'est comme le titre l'an dernier de meilleur ailier de la Pro D2, c'est toujours agréable d'être reconnu au titre personnel. Maintenant, c'est un petit goût amer avec la défaite à Célesta où on avait espéré peut-être prendre quelques points. Et le fait qu'on reste assez bas à cette 13e place au classement, c'est la satisfaction en est un peu atténuée, mais c'est vrai que c'est toujours agréable. Demain soir, il y a un match important aussi. Est-ce que tu t'attends à un traitement peut-être spécial? Non, je pense pas. Les joueurs, on se connaît. Cette élection, elle est sympathique, mais elle n'a pas de valeur intrinsèque. Donc, non, rien ne va changer demain, si ce n'est que Vincent Gérard, au pénalty, en ce moment, il arrête tout. Donc, ça risque d'être dur de lui mettre des buts. Mais on a une grosse envie. On est un peu revanchard de cette défaite à Célesta. Et on est en manque de points. Donc, l'envie fera peut-être la différence si on arrive à rapporter quelque chose de ce match demain. Est-ce que le président t'a donné une prime pour ça? Absolument pas, j'en ai pas besoin et c'est pas mérité et c'est un sport collectif avant tout. Ah, merci beaucoup.